Si tu n'as jamais pratiqué l'EFT, je te conseille de visionner d'abord ma vidéo EFT, explication de base et séance de préparation, en cliquant sur le i qui s'affiche en haut de l'écran. Cette vidéo te permettra de te familiariser avec cette technique. Une séance se déroule de la manière suivante. Tout d'abord, prévois une bouteille d'eau ainsi qu'une feuille et un stylo. Sur cette feuille, tu vas noter l'intensité de ton émotion. Attribue-lui une note sur une échelle de 0 à 10. L'idéal est de pratiquer les yeux fermés, mais tu peux si besoin garder les yeux ouverts pour visualiser les différents points de tapping que tu verras sur l'écran. Il s'agit de tapoter doucement les points énergétiques spécifiques précis avec le bout de l'index et du majeur, tout en répétant les phrases que je vais énoncer. Tu peux utiliser la main droite ou gauche et tapoter sur le côté droit ou gauche du corps et même changer de main en cours de séance, en fonction de ce qui te convient le mieux. Pratique entre 5 et 10 tapotements sur chaque point, mais sans les compter. Voici les différents points de tapping. Le point karaté, sur la tranche de la main. Le haut de la tête. Le début du sourcil, du côté du nez. Le coin de l'œil, sur l'os de l'orbite, sous l'œil, sous le nez, sous la bouche, au creux du menton, sous la clavicule, sous le bras, environ 10 cm sous l'aisselle, et sous le sein. Une série complète s'appelle une ronde. Je vais te guider pas à pas. Je te dirai l'endroit où tapoter, et des phrases que tu répéteras à haute voix ou bien dans ta tête. Si certains mots ne te parlent pas, tu peux les remplacer par des mots qui sont plus justes pour toi. Début de la séance. Point karaté. Même si je ressens de l'anxiété en ce moment, je choisis de m'accepter et de m'aimer totalement tel que je suis. Point karaté. Même si je suis anxieuse, je me donne le droit de m'apaiser. Point karaté. Même si je me sens submergée par l'anxiété et que cela me paralyse, je choisis de me détendre et je m'accepte totalement tel que je suis. Haut de la tête, je ressens cette anxiété dans mon corps. Début du sourcil, je ressens un nœud dans mon ventre. Coin de l'œil, je ressens l'angoisse dans mon plexus solaire. Sous l'œil, je ressens une boule dans la gorge. Sous le nez, je me sens sous pression. Sous la bouche, je suis tellement sensible. Sous la clavicule. J'ai besoin d'être rassurée. Sous le bras, cela fait tellement longtemps que je vis avec la peur. Sous le sein, je ne sais pas comment faire pour reprendre confiance en moi et en la vie. Haut de la tête. Mes crises d'anxiété
viennent de blessures émotionnelles que je suis en train de guérir. Début du sourcil. J'accepte ces peurs en moi et je choisis de les libérer avec ce tapping. Coin de l'œil. Une partie de moi a la volonté de se libérer de ses peurs, mais l'autre est guidée par ses peurs. Sous l'œil. J'ai envie de me libérer, mais j'ai peur de ne pas réussir à être assez forte. Sous le nez. Et si je commençais par calmer ma respiration? Sous la bouche. Et si je commençais à accepter ces peurs en moi? Sous la clavicule. Et si je commençais à prendre conscience que ces émotions sont là pour me permettre d'évoluer? Sous le bras. Je décide d'écouter le message que ces émotions veulent me délivrer, car il ne peut être que bienveillant et constructif. Sous le sein. J'ai envie d'être libérée et sereine. Haut de la tête, je choisis d'accepter mes émotions comme un message et non pas comme une punition. Puis du sourcil. Je choisis d'être plus à l'écoute de mes ressentis. Coin de l'œil. Je me donne le droit d'être vulnérable, car je sais maintenant que derrière ces émotions se cache un cadeau pour moi. Sous l'œil, je choisis de me traiter avec amour. Sous le nez, je choisis de lâcher prise. Sous la bouche, je choisis d'être libre. Sous la clavicule. Beaucoup de personnes ont réussi avant moi. Donc, c'est possible. Sous le bras. Si c'est possible pour les autres, alors ça doit l'être pour moi aussi. Sous le sein. Et si je choisissais de croire que c'est possible pour moi? Haut de la tête. Et si ce n'était qu'un mauvais moment à passer?
Début du sourcil. Et si j'étais en train de gagner ma liberté? Coin de l'œil. Et si je pouvais me sentir sereine et victorieuse? Sous l'œil. Je suis déterminée à me libérer de l'anxiété. Sous le nez. Je libère et je lâche tous mes blocages émotionnels qui me procurent de l'angoisse. Sous la bouche, je laisse cette peur en moi se dissoudre. Sous la clavicule, la méthode EFT a été fantastique pour plein de personnes. Sous le bras. Et si elle fonctionnait aussi pour moi? Sous le sein. Je crois profondément que je suis capable et que je suis prête pour lâcher prise. Point karaté. Je suis très heureuse quand je constate les résultats que j'obtiens. Point karaté. Je suis fière de moi, de ma force et de ma résilience. Inspire et expire doucement et profondément. Bois un verre d'eau et prends le temps d'écouter ton ressenti. Reprends ta feuille et compare avec la note que tu avais choisie avant ce tapping. L'intensité de ton émotion a-t-elle changé? Inscris la nouvelle note que tu attribues à l'émotion travaillée lors de cette séance. Il suffit ensuite de répéter la vidéo dédiée à une émotion autant de fois que nécessaire, jusqu'à ce que tu atteignes une note de 1, ou mieux encore, 0. L'idéal étant pendant 21 jours consécutifs.